soulagée. Heureuse d'avoir retrouvé un chien. Attention à tes émotions. Je suis heureuse. J'ai senti dans ta voix que t'allais... Mais là, oui, c'est des bonnes émotions. C'est des bonnes émotions. Jusqu'au bout, là, il nous a surpris. Il m'a surpris aussi. Je suis arrivée pour une fois à le dominer, à le gérer et à faire des activités comme j'avais pu faire. Non! Une fois que vous aurez acheté mon livre, n'oubliez pas de me faire parvenir la photo de votre chien avec le coffret collector « Le chien de vous à lui » et votre photo sera partagée à travers tous mes réseaux. Thèse d'évaluation et d'agressivité numéro 1 sur Scooby-Doo. C'est un chien croisé qui a des problèmes d'agressivité quand il sort. Il ne supporte pas visiblement les autres chiens, quel qu'il soit petit, grand ou pas, qu'il n'accepte pas. C'est un dominant, c'est un chien sociopathe. Rien de grave, ne vous inquiétez surtout pas. Donc je vais faire mon test d'évaluation et d'agressivité, passer ensuite à la deuxième étape que vous connaissez par la communication salivaire, dont je vous répète une fois, ne refaites pas ça chez vous. Donc vous avez un chien qui a été battu au bâton. Voilà. À quel âge vous avez récupéré ce chien? Est-ce que vous lui avez mis des coups de bâton à ce chien? Ici, il faut pas me mentir, hein, parce que je vais tout savoir, ok? Donc il a été traumatisé déjà par un coup de bâton, ok? Pas bouger, pas toucher, bravo. Pas bouger. Là, on se calme, calme-toi. Vous avez vu le stress qu'il a? Il sait rien. Bien mon chien. Vous avez vu ce que ça provoque quand on fait un mauvais geste à deux mois? Test d'évaluation numéro 2, ne reposez pas ça chez vous, je suis l'inventeur de cette technique par la communication salivaire. Je vais donc procéder comme je fais sur toutes mes vidéos à mettre la laisse autour du cou du chien pour avoir la totale maîtrise de ce dernier et je vais provoquer son trouble de comportement pour s'extérioriser et me permettre de faire la communication salivaire pour que ses maîtres Mélanie, toute sa famille, ses enfants et David puissent vivre harmonieusement à partir d'aujourd'hui dès qu'ils repartiront après ce stage de formation comme vous pouvez le voir à travers toutes les vidéos de ma chaîne YouTube que je vous invite à aller regarder. C'est bien. Bon, il a déclenché même les glandes anales. Hein. Vous sentez ou vous sentez pas? Non, on sent. Voilà. Vous avez vu, c'est horrible. Hein, ça s'appelle les glandes anales. Non! Pas touché. Bien. Pas touché, pas bougé. Ok, c'est plus vieux. Halte, assis. Bravo, mon chien. Pas touché, pas bougé. Bien. Assis, pas bougé, pas touché. C'est bien Scooby-Doo. Ça, c'est assis, pas bougé, pas touché. Bien, mon chien. C'est bien. On observe parce qu'il y a des... On dirait qu'il est... C'est vrai que quand j'ai récupéré de l'élevage, c'était un chien qui était assez peureux. Ah bah oui. Là, je le reconnais pas. On dirait qu'il a été frappé, qu'il a été, qu'il est, comme vous dites, pas heureux. Il t'a agressé. Il a voulu t'attaquer. Enfin, il était petit. En fait, c'est là où, dans mon livre, vous le lisez bien. Il m'a mis ses pointes. Et du coup, vous avez vu votre chien, c'est pas un chien méchant. C'est impressionnant. Voilà. C'est que, avec nous, il est le foufou. Il a pas, il a pas peur. Il avec vous, c'est comme s'il était. Ça c'est 25 ans de pratique. Qu'on a fait quoi. Faut pas comparer ce qui est pas comparable. Mais je l'ai jamais vu comme ça. Là on a un chien qui commence à prendre sa place, un vrai chien. Plus foufou. On dirait qu'il est peureux. Ouais. Non mais il est peureux, mais il va être bien après. Assis autant de temps. Parce que là, j'ai mis de la colle sur les fesses. Et donc là, quand il s'assoit, il bouge plus. C'est la première fois.
C'est bien mon chien. Ça, c'est assis, pas bougé. Qui était malheureux. C'est un beau chien. Ouais, malheureux. C'est ce qu'on, tu vois, regarde son regard, comme il est triste. Toi. Ouais, regarde son regard. Il est en train d'apprendre, en fait. Il est en train de se dire, mais merde, j'ai perdu du temps, mais je me suis mal compris avec mes propriétaires. Pourquoi j'étais excité, etc. Oui, mais c'est normal. Même envers vous, on voyait qu'il avait peur de... Cette formule-là, elle marche parce qu'on voit tellement de choses dans la journée qu'on se rend compte. On se rend compte de beaucoup de choses. Mais là, votre chien, ça fait combien de temps qu'il est assis sans bouger? Ben, c'est la première fois. Il aboie plus, d'accord? Qu'est-ce qu'il fait d'habitude avec les chiens quand il croise les chiens n'importe comment? Il aboie, il doit attaquer. Okay. Donc là, j'ai cherché l'autre qui est en plus un dominant. Ça va être un carnage, on est d'accord? D'accord. Ah là, mais c'est sûr. Cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et les dernières vidéos de la chaîne Eric Ramson. Vous pouvez voir la vidéo suivante. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. N'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus. Merci pour vos commentaires. Ciao, bye bye.